Ça, tu vois, je reconnais ça, Dylan. Je connais cette semaine. Ça, c'est un petit mois d'écho. Ah ouais, dis-le-moi. Un petit mois d'écho. En gros, on t'a dit moi, safety VLA au cas où, tu sais, genre VK, moi, Guts. On était là en mode on garde nos VLA, on dit pas un mot de plus. Et toi, tu t'es dit, ça pue un truc d'ici mois d'août. Si moi aussi, j'économisais pas. Aussi, et il l'a fait, voilà. Et du coup, petite économie incroyable. Bon, en vrai de vrai, bah allez, bah on est parti, hein. On coche à case, j'imagine, JJK. Et let's go, good luck. Du coup, nous, ce qu'on veut, c'est des nouveaux mobs collab, évidemment. On est là que pour ça. Si on se mène pour la collab, c'est parce qu'on voit des mobs collab. En plus, ils sont trop stylés. T'as déjà summon, Tito? Non, je summon un peu plus tard, moi. On va summon d'abord ici à Dylan, puis on va summon Selfie. Puis s'il y a quelqu'un d'autre qu'on doit summon, on va le summon, puis on summon moi. Voilà. Je fermerai le bal des semaines, tout simplement. 21 LD 100 d'étincelles, la collab commence bien pour moi. Au moins, t'as pas fait comme VK. VK, c'est genre plus de 30 LD, je pense. Mais t'as fait un bon cosplay VK. Vas-y, il casse les couilles, Sartek, envoie-moi un MP avec ce que t'as droppé. Non, les jupes par Eva. Je te jure que je fais pas de mec choqué ni rien. Bon, techniquement, dans cette semaine, on devrait avoir, en vrai de vrai, au mieux un AD 5. Au minimum, plutôt. Et bon, si on peut en avoir deux ou trois, ce serait insane. 850 Vela Mystique, aucun AD 5 collab. Ah, c'est pas chiant, ça. Ah, ok, petit Megumi O. Premier mob collab, new, excellent. En vrai, moi, j'ai vraiment juste envie d'avoir un Gojo et Itadori, Yuji. C'est les deux qui me plaisent de fou en sac nat. Je vais donner un tips. Ok. Ok, encore un Megumiho. Le frère d'un mob qu'on a en commun. Attends. Le frère d'un mob qu'on a en commun. Oh non. Vas-y, on voit MP. C'est pas vrai. Et un 5 LD alors, Tic encore? C'est pas vrai. Oh nice. Incroyable ça. Oh, mais tu l'avais pas. Ok. Merci Strikeback pour le follow welcome. Ça va ou quoi? Yo, Raze. Non. Et no way, Sarteke, c'est vrai? Incroyable. Il me fait pas confiance, Arctic, c'est trop grave. Alors que moi, je vote pour lui. D'ailleurs, je vais même pas vous montrer les pronostics. Je vais vous les montrer juste après. Pour les SWC. Merci, Jonah, pour le follow. Welcome, welcome. Oh, on a eu la no barafo. Ah, ok, t'es... What the fuck? Mais non, t'as eu ça, Tic? What the fuck? Non. Non, jure, t'as eu ça! Ouais, désolé pour la réaction, les gars, mais c'est un truc de zaza. Ok, j'en dis pas plus, j'en dis pas plus, c'est bon, j'arrête. Ouais, c'est bon. Leak? Bah non, je leak pas, les gars. C'est les WC, j'ai quand même pas leak, j'ai pas quand même pas leak, c'est la faute, quoi. Wouah, c'est insane, hein. Layman? Bah non, Layman, on l'a. Même moi, il m'a pas dit. Yo, Atmos, quand tu vas BG, tranquille, quoi. Eh, t'as semaine ou pas, Atmos, t'as eu quoi? Très belle journée, n'est-ce pas? De Zaza, hein. Megumin Dark, GG, Fatsi. En vrai, il est pas mal, Megumin Dark. Je l'aime bien, sur le papier, elle a l'air vraiment intéressante. C'est Laura? Non, bah non. Laura, il l'a déjà. On peut voter pour Sartek sereinement. Bah moi, je vais voter pour lui personnellement par affinité et parce que pour moi, il a la même capacité d'aller loin en fait. Tout simplement. Vas-y, m'en parle pas, j'en pleure encore de ma semaine. Ah ouais? Oh merde. Non, mais c'est bon, t'as eu trop de chat les autres fois aussi. Il faut que t'en laisses aux autres, Atmos. C'est bon, t'abuses aussi. Aujourd'hui, tu dois appuyer sur les boutons et hier aussi, c'est pour les autres, pas pour toi. Yo, Biofa, ça va?
Je vous montre après mes pronos dès que cette semaine est finie. Je vous montre les pronos que j'ai fait, comme ça on voit un peu ce que j'ai mis. Mais je crois que j'ai peut-être moyen que je fasse un ou deux changements. Peut-être qu'il faut que je me rétracte sur un ou deux pronos que j'ai fait. On va aller vérifier ça après. J'ai l'impression qu'il y a encore le bug de Béné comme avec l'arrivée des deux Kébis. Ah ouais, bah en vrai ça nous arrange, il y aurait des compensations. On dit pas non. Moi ça m'avait bien arrangé en tout cas ce petit coup là. 28 de speed la réap. Wouah. C'est plaisir hein. Bon GG. What the fuck. On peut avoir un attaque ou compliqué. On a fait 200 Bella Mystique sans rien pour l'instant. On souhaite quand même que Dylan passe un bon. Une bonne collab. Même s'il n'y a pas trop de vélin. Pro chat ces autres fois, Tic peut témoigner de l'inverse. Ouais, mais attends, mais OTO à Paris, il y a 2 ans, le mec qui revient. Et aussi la dernière fois, il y a 5 ans et 3 jours. Non, t'as été trop régalé ces jours-là, c'est trop grave. Hein. Aussi, il faut que t'en laisses aux autres, hein, c'est pas possible. En plus, Atmos, toi, t'es juste full free to play, hein. Pas possible. T'en penses quoi du Gojovan? Et quoi le Gojovan? Faut que je regarde. Faut que je check. Yo, Ultra Prototype, ça va? Super, la collab 450 V1, toujours comme up collab. Ah, bah écoute, on est en train de se faire pareil sur la semaine de Dylan. Dylan qui est le giga paratonnerre, hein. Non, en vrai, t'inquiète, Dylan. Attends, Gojovan, par contre... Laissez-moi une seconde. Gojovan, il fait quoi encore? Mais je crois qu'il est pas mal, le Gojovan. Je pense qu'il a un petit truc, genre. Tout petit truc. Ouais! J'aime bien ça. Non, j'aime bien. J'aime beaucoup Gojovan. Je trouve pas mal. Bon, ça, en fait, le truc, c'est un CC. Un CC. En fait, c'est une espèce de CC. Non, oui, il est bien, c'est une espèce de CC qui fait des dégâts, j'aime beaucoup. Et un strip sur skill 2, 50% de chance, c'est énorme, 2 à 3 fois, c'est dommage, mais 50% de chance, c'est pas mal. Kraka, c'est combien? Par rapport à Kraka, j'avoue, Kraka, je sais même pas son taux d'activation, c'est pareil. Donc c'est 2 fois, ouais. Non, c'est 60% de chance. Non, c'est 40% de chance. Wouah! Ah ouais, non, c'est pas mal, hein. C'est le breakdev qui a 60. Ok. Alors, Vélin de vent, c'est parti. J'ai Gojo Dark GG, I'm so close, tu vas pouvoir regarder un petit peu les streams de chez vous parce que lui aussi il l'a eu. T'en penses quoi? En fait, je pense qu'il est un peu niche le mob. Je pense qu'il est bien, mais il est un peu niche. Pour moi, c'est un knocker que tu utilises quand tu joues des compos où tu veux jouer pas spécialement le premier tour, bah si, tu veux jouer le premier tour contre quelqu'un qui ne conteste pas le premier tour et qu'il n'y a pas trop de strip en face ou bien qu'il y a qu'un seul stripper que tu as la capacité d'aller sortir à l'open. Et du coup, il peut solo derrière. Et qu'il n'y ait pas de CC non plus, tu vois, il y a quand même pas mal de conditions, mais pour moi, sur le papier, il est vraiment pas mal. Et peut-être qu'en offense, juste en offense siège ou en arène, il peut être bien aussi parce que le skill 2, il détruit bien les HP. Ah, c'est Yuji Dark, pas Gojo. Ah merde, autant pour moi, oui, t'as raison, Gojo Dark, c'est pas... Oui, t'as raison. Attends, avec Gojo Dark, oui, t'as raison, c'est Yuji Dark. Ouais, mec. Ouais, non, c'est juste... Et du coup, attends, parce que j'avoue, les kits, les gars, je les ai lus, je les ai pas tous en tête. Gojo Dark, pour moi, il vaut quoi, lui? Ah, putain, oui, mais l'oblivion... Ah oui, c'est la Isis en version offensive. Bah moi, je trouve bien... Je trouve bien, en vrai de vrai, mais c'est comme Isis, tu vois. C'est un peu comme Isis, sauf que c'est un peu de dégâts, donc forcément, si tu crit, tu vas trigger les ragdolls, tout ça, donc c'est un peu chiant. Mais pour moi, c'est pas trop mal. Le seul problème, c'est que t'as la même faiblesse que pour Isis, c'est que les procs violents, bah, tu sors de l'oblivion ou du silence et, ou du stun, du coup, tu perds tout intérêt. Le vieux va quand même bien t'avoir. Mais le fait que t'aies des dégâts sur ce mob-là, je trouve ça intéressant. Je pense qu'il est bien. Je pense qu'il est bien. Je pense que par rapport à Isis, il se situe je dirais au même niveau, en fait, c'est un peu différent. Les deux se valent. Est-ce qu'on peut avoir un attaque ou c'est compliqué? Gojo, c'est Isis-like. Ouais, c'est vraiment ça, sauf que t'as des dégâts, quoi. En fait, t'as des contraintes d'Isis parce que tu tapes. Mais par contre, t'enlèves une contrainte d'Isis, c'est que Isis, le problème, c'est que t'as pas de dégâts, du coup, les drafts sont un peu vides. Or, avec Gojo Dark, t'as
plus facilement la possibilité de faire des drafts qui sont pas spécialement vides. Parce que tu auras un peu de dégâts quand même. Izzy, t'as vraiment zéro dégâts, quoi. T'es vraiment full support. T'as pas une grosse compo à côté, donc d'autres LD en général c'est compliqué. Gojo Dark, je pense, sera un peu plus facile à sortir. J'aime bien. Bon, on n'a rien eu comme vélin. Nat 5, malheureusement. On va faire ça, on ira chercher dans l'event les vélins après. Est-ce qu'on peut avoir Nat 5 ou c'est compliqué, genre? S'il vous plaît. Tu joues pas Nat 5? Non, mais c'est maintenant. Le voilà, le voilà. Ah, le voilà! Le voilà! Et lui, il est pas mal! Ok, nice! Bah voilà! Et voilà le petit Yuji Feu. Il est bien lui, non? J'aime bien moi. Il a l'air de roxer. Hein. C'est un roxor lui. J'ai drop le light perso, je crois que c'est le plus désiré manifestement. Ouais, le Gojo Light, il a l'air pas mal. Le Gojo Light, ouais, le Gojo Light. Mais moi, c'est celui que j'aimerais trop avoir, il est broken. Nice Dylan! Ouf, il a mis ouf Dylan! Non mais t'inquiète Dylan, hé, hey, tu me faisais pas confiance Dylan, arrête! Arrête, il faut faire confiance à Tito, c'est bon. Oh, wait. Ok, dupe, on fait quoi de tes dupes? Voilà, 2 nats 5, là du coup on est from pas dans les raids, tout dans les raids directement. Là on est dans les raids, direct, boum, t'as vu ou pas? Voilà, tu peux plus rien attendre de moi maintenant, c'est que du bonus. Valentis, abuse. Je vais récupérer les petits vélins. Ah oui, attends, il faut que je scroll là. Oh là là, 37 vélins supplémentaires. Mais qu'est-ce qu'on est gâtés! Non, des jupes à Eva. C'est incroyable! Re Azeria. T'as fait ta semaine ou pas encore? Pas encore. On est en train de semaine sur le compte de Dylan. Je n'ai racheté selfie. Et s'il n'y a personne d'autre, bah, ce sera à mon tour, les gars. Ce sera à mon tour. Mais s'il y en a qui veulent que je summon, bah, n'hésitez pas à un petit MP et c'est parti. Hein. Ah, Béné! Tu veux une Béné? Tu jures? Fais une Béné. Ok, chef. Ok, chef. Alors, par contre, avoir une Béné, je trouve ça nul. Mais, et... Moi, je suis pas là pour juger, moi. Tu veux une béné? Une béné, je crois. Pour moi, c'est pas worth de faire une béné, surtout quand t'as les rate up. Mais bon, c'est comme tu veux. Oh, déjà, ça m'embête. Eh. Hey. Fuck les béné goldé. Bah, en fait, moi, si ça ne tenait qu'à moi, j'aurais dit... Moi, si ça ne tenait qu'à moi, pour moi, c'est réap ou LD. Voilà. C'est réap ou LD. C'est comme tu préfères. D'ailleurs, ça, tu devrais acheter des réap avec ça. Mais... C'est toi qui préfères... C'est toi qui dis, Dylan. Tu préfères quoi, Dylan? Béné, LD, réap, LD. Oh, je remplis tellement bien mon rôle d'influenceur. T'as vu ou pas? Il était là, fait une béné, béné, béné. Je dis, je préfère les LD, il me dit LD. Non, mais en vrai, je te jure que les LD, c'est ce qu'il faut faire. C'est la tech. C'est nul, Réap. Non, Réap, c'est pas mal aussi. Hein. Dans la hype de collab, les LD, pas pareil. En vrai, j'ai pris des LD aussi. Je prendrais des LD aussi, je pense. Clairement. Non, non, en vrai, de vrai, je pense que les béné, c'est un peu surfait. En fait, le problème, ça t'assure de compléter ta collection, mais avec des rate up, je trouve ça moins intéressant. Enfin, ça peut être moins intéressant et plus intéressant à la fois, tu vois. Parce que si t'as. Ouais. En gros, le seul moment où c'est intéressant, c'est si le mob de gauche, tu l'avais déjà, et le mob de droite, tu l'avais pas. Voilà. On va voir si on a eu raison de prendre cette béné ou pas. De pas prendre cette béné, plutôt. Les rêves, j'ai jamais compris l'intérêt. Bah, tu rêves une rune et tu peux avoir une rune broken, quoi. Ça dépend, en fait, de ce que tu veux faire sur le jeu. Tu vois, si sur le jeu, ton objectif, c'est de dropper, d'avoir la collection complète, forcément, ce sera pas intéressant de prendre des rêves. Mais si ton but dans le jeu, c'est de performer et du coup d'avoir des runes intéressantes, bah les réaps, c'est intéressant, quoi. Après, je tiens à dire que, vu la capacité qu'on a maintenant de farm des runes, j'ai l'impression que ça dévalue un peu les réaps, tu vois. Genre maintenant, j'ai l'impression que les réaps, il faut vraiment les garder pour une rune que tu vas absolument réap, et pas genre réap tout désigné, t'as tout va, tu vois. Et vraiment faire, parce qu'il te manque sur ce slot-là, une rune. Parce que maintenant, la capacité de dropper des runes est tellement insane. Bon, bah il reste les vélins intéressants, les potes, c'est parti, hein. Donc là, tout peut se passer.
Ça n'arrive que très rarement, non? Bah oui, mais... Oh, what? Écrou? Ah oui, mais c'est parce qu'il y a le storage. Je me suis fait bait. 10 LD, les gars. 12 LD, même. Non, non, pour moi, les réaps, ça vaut le coup. Tu vois, quand tu réaps, par exemple, une saute 3 avec innate, une innate, genre accuracy, c'est... T'as beaucoup de chance d'avoir quelque chose d'intéressant. Tu sais, c'est pas un triple speed, le truc intéressant, c'est juste un truc efficient. Pour fignoler des sets précis, les réaps. Ouais, c'est ça, exactement. Actuellement, je pense que c'est ça la meilleure stratégie. C'est pour ça que d'ailleurs, je réap une précision saute 6. Parce qu'il n'y a que ça que j'ai besoin. Pourtant, j'ai des targets réap en saute 1, saute 3, ce serait beaucoup plus facile à réap. Mais j'en ai, entre guillemets, plus besoin. Est-ce qu'on peut avoir une petite étincelle, s'il te plaît? Une petite étincelle et magnifique. Et genre, une étincelle collab. Il y a 12 LD, petite étincelle. S'il te plaît, frérot. Allez, pour Dylan. En plus, il a pris 2 LD, 3 LD avec son dupe. Allez, s'il te plaît. En vrai, étincelle dans les 3 derniers LD. Et on aurait eu raison de prendre ces 3 LD. T'as vu ou pas? Regarde, c'est maintenant, regarde. Là, tu vois, ta semaine est supposée être terminée. Parce que tu voulais prendre une béné. Et vu qu'on a pris 3 LD, ben regarde ce qui t'arrive. Regarde, ça c'est maintenant. Ça c'est grâce à moi. Putain, t'étais supposé briller. Putain, mais tu casses les couilles. Non! Fuck, man! Bon, ben, en vrai, ça va. Non, en vrai, les gars, ça va, c'est fine. C'est fine. On t'a quand même eu des trucs. On t'a eu quand même un mob. Franchement, au niveau des raids, on est bien. Hein. Non, 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 c'est bien. Mais prendre béni. Bah non. Bah non, arrêtez. Non, pas du tout. En vrai, on s'en sort plutôt bien. On a eu le petit Yuji feu. Franchement, je pense que t'es content. En vrai, les gars, il y avait même pas 300 Vela Mystique. C'est une bonne semaine. Hein. Combien de jours t'as un mois pour le semaine. J'espère que tu te reconnecteras sur le jeu.